Bible nous parle de cette formidable piscine de Bethesda qui, je pense que l'une des grandes manifestations surnaturelles que le peuple de Jérusalem n'avait jamais connue, c'est celle de voir un ange descendre du ciel, agiter l'eau. C'était la première fois, je pense, parmi d'autres surnaturels que le peuple était habitué à vivre. Que quand l'ange venait, dans le fait qu'un ange descende du ciel pour venir juste agiter l'eau et repartir, vous pouvez comprendre, pareille chose aujourd'hui attirerait autant de gens, non seulement qui voulaient, qui avaient besoin de solutions à leurs problèmes, de guérison ou autre, mais qui voulaient aussi voir, assister à ce spectacle prodigieux de voir un être céleste descendre. Donc, ça pouvait que attirer énormément de gens. Donc, pendant la destruction des hôtels, si nous avons nommé circonstanciellement le ministère Amen à la piscine de Bethesda, cela a été prouvé pendant toute cette période, d'abord par l'engouement des gens, et puis les surnaturels et les messages divins. Je pense qu'il y a la combinaison de tout cela. Il y a d'une part le lieu qui s'est transformé en piscine de Bethesda parce que il y a plus qu'un ange aujourd'hui. Il y a les anges terrestres et les anges célestes. Et d'abord Jésus était venu pour montrer d'abord aux paralytiques que c'est lui qui a envoyé l'ange. Auxquels étaient habitués à avoir des manifestations. Et puis, à la fois, pour résoudre un problème, les gens l'avaient ignoré. Et en même temps aussi, les discours de la destruction des hôtels que nous avons reçus de la part de Dieu, des instructions surnaturelles, en un temps bien précis pour que ce sujet soit le sujet du chapitre 35. Et puis, Dieu a voulu mettre un sceau pour démontrer que c'était, comme les indices, c'était le message de l'heure. Et nous avons vu par rapport aux besoins qu'il y avait dans le cœur des gens et les conséquences de cela. Bon, comme j'avais dit que l'hérédité dans le sang, sujet du chapitre 35, ou grand thème du chapitre 35, c'est l'ancêtre de la destruction des hôtels. Il y a encore près de 25-30 ans, j'ai développé l'hérédité de sang, dans le sang. Mais avec le temps, comme la révélation est évolutive, il y a des choses que le Seigneur a apportées. Vous allez vous rendre compte que dans notre manière de procéder, dans tous les chapitres, depuis que la destruction a commencé, nous n'avons jamais abordé sur l'hérédité dans le sang. Et pourtant, il est l'ancêtre de la destruction des hôtels. On aurait commencé par là. Mais Dieu a voulu qu'on aborde tous les thèmes qu'on a développés pendant tous les chapitres. Le temps de mûrir, d'amener la révélation de l'hérédité dans le sang à son achèvement. Et maintenant, ce thème est plus que mûr. Il est tellement riche. Je pense qu'il sera aussi, il a encore de bons jours devant lui. Parce qu'il y a des successions de révélations que nous allons apporter dans les prochains chapitres, et le Seigneur voulant. Je pense que ce que nous disons dans ce chapitre est tellement éloquent. Il est tellement précis parce que nous voyons sur terrain, je ne dis pas aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Quand la personne n'est pas encore délivrée, nous voyons des serviteurs, des servantes, des frères, des bien-aimés qui aiment bien le Seigneur. Mais vous verrez qu'il a des comportements qui vous surprennent, qui vous étonnent, qui vous déçoivent même. Un problème éducationnel, un problème de vol, il est attaché à l'alcool ou à l'immoralité. Mais quand vous regardez comme cela,
vous essayez un peu. Souvent, c'est parce qu'on balaye du tout du revers de la main. On est chrétien, ne peut pas être envoûté. Mais quand vous regardez dans les comportements du frère, même du prédicateur, lié à l'alcoolisme, quand tu regardes bien, il y a une ascendance héréditaire, soit du côté de maman ou du côté du papa. Mais lui, il prie. Il sert même le Seigneur. Donc on voit qu'il est totalement enchaîné par quelque chose dont il a du mal à s'en débarrasser. Et c'est pour cela que le problème d'hérédité dans le sang a été prouvé scientifiquement. Et il est aussi une vérité biblique. Abraham, Isaac, Jacob. Abraham a dit que sa femme était sa sœur. Isaac a produit. Plus de 50 ans plus tard, Abraham est déjà mort. Il reproduit les mêmes réflexes de son père, alors qu'ils sont des patriarches à qui appartiennent les promesses. Mais comment ils peuvent vivre des choses comme ça? Si eux, ils ont vécu des choses comme cela, à combien plus nous sommes, nous autres, qui sommes sortis des nations qui ne sont pas Israël? Voilà pourquoi une impactation d'une onction de délivrance est tellement importante dans la vie d'un chrétien, pour mener une vie de victoire, pour rendre la victoire de la croix effective au quotidien. Bon, on ne peut pas être satisfait à cause des foules de gens. Numéro 1, Christ lui-même a dit, quand il sera élevé, il va attirer les hommes vers lui. Les gens ne viennent pas nous voir. Ils ne viennent pas voir la tête de l'apôtre Léopold, sinon que la grâce de Dieu qui accompagne l'apôtre Léopold. Moi-même, de par moi, je n'ai rien à donner aux gens. Je suis un pauvre pécheur un jour qui a été sauvé par grâce et qui a rencontré le Seigneur par sa grâce aussi plusieurs fois, par révélation de plusieurs manières. Je communique juste cette grâce. C'est comme ça que nous nous appelons les dispensateurs de grâce. Nous dispensons cette grâce. Et s'il y a la réaction des gens, le Seigneur, auteur des âmes, il sait pourquoi il nous amène ces âmes-là. Sinon, il les aurait orientées ailleurs. Ils viennent à nous pour que nous leur remettions acquis des droits au Seigneur.